J'ai appuyé, j'ai pas fait exprès. Bonjour, bon matin, Nigérian. Merci de m'accueillir chez vous pour la carte du petit déjeuner donc de ce 19 août 2019. Voilà. Oui, j'ai attaché mes cheveux et du coup j'ai un mot de perruche. Bon. Donc, les amis, qu'est-ce qu'on va. J'ai hésité. Et puis je me suis dit, bon, pour l'amour, nous allons prendre le tarot de l'amour. Tarot de l'amour, tarot des anges, je ne sais plus, de Rin Virtue. J'ai pas la boîte ici. Bon. Et puis de toute façon, je l'ai mis en barre d'infos. Et puis j'avais envie de ressortir. Je ne ressors pas. Je l'utilise beaucoup. Le Universal Golden Tarot. Qui est ici donc en taille normale. Je pense que l'autre fois j'avais utilisé un grand taille. Je crois que je perds mes tartines. Ah oui, il est là, il me semble bien que je l'avais. Voilà. Celui-ci. C'est malheureux. Sushi? Non. Qui est-ce qui aboie? Chanel! Chanel. Désolée. Donc voilà, le grand taille, je pense que vous l'avez mis dans le grand format. Je pense qu'il sera en barre d'infos aussi. Sinon, c'est celui-ci, c'est celui qui brille les yeux. Voilà. Donc on va prendre celui-ci pour les énergies de cette journée. Et on va voir ce que ça nous donne. On va toujours prendre une carte. Normalement. Il y en a beaucoup qui me demandent, je crois que je ne sais même plus si je l'ai dit ou pas, mais il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi je n'utilise moins ou plus le petit Lenormand. Ben, je l'utilise tout le temps, hein. Je l'utilise tous les jours parce que je fais mes consultations, évidemment avec mon Lenormand, hein. Ça c'est absolument mon jeu, c'est mon oracle principal, et suffisant, normalement. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de chaînes qui le font, donc voilà. On dirait qu'il y a beaucoup qui font le tarot aussi. Je reviendrai certainement avec mon petit Lenormand, ça dépasse. De toute façon, je l'utilise moi donc. Voilà, vous le savez pourquoi maintenant. On y va les amis, pour cette journée. On va couper, on va prendre une carte. Pourquoi tu te coupes en trois toi? Non, je recommence. Je coupe. Oh mince, j'ai pris deux cartes. Oh. Alors normalement la première c'était celle-ci. Et puis c'est celle-ci. Donc on a les épées. Donc on va être dans le mental. On va être dans les. On va être dans le mental et on va être dans le. Dans les pensées, dans le mental. Voilà. On va. Alors, on arrive à la fin des épreuves ici. Donc, c'est une journée où peut-être ça nous parle d'angoisse, ça nous parle de. On a des angoisses, on a des insomnies, on ne dort plus, on pense, on n'arrive plus à être bien dans sa peau, bien dans sa tête, on réfléchit, quand on se réveille, on n'arrive plus à se rendormir, on n'arrive même pas parfois à s'endormir. Voilà, on est vraiment, vraiment mal. Pour certaines personnes, donc il y aura ce ressenti-là. Mais voilà, il y a ça. Bon, c'est vrai que j'ai eu cette carte-là après. Et suite peut-être à ce mal-être, il va y avoir. On va trancher, d'accord? Il va y avoir un message qui tranche. Un message tranchant. Donc une décision qui va être prise suite à ça. C'est un blocage mental ici, normalement. Donc, c'est vous qui n'en sortez pas. C'est vous qui n'arrivez pas à en sortir. Et donc, quelqu'un va... ici, nous avons le valet. Donc, c'est un messager. Donc, vous allez recevoir... En plus, vous allez peut-être recevoir un message tranchant. Un message qui va... c'est pas le message que vous désiriez recevoir. Parce que, ben voilà, c'est le... ça va être un message un peu blessant, peut-être. Ou alors, c'est l'inverse, vous allez recevoir un message qui va vous blesser et vous allez vous sentir un peu mal, un peu beaucoup.
Mais en même temps, c'est la fin d'une situation. C'est la fin d'une situation douloureuse. Donc, elle va peut-être être encore douloureuse aujourd'hui. Moi, pour moi, ici, pour ceux qui vivent peut-être dans la douleur, pour moi, vous êtes prêt à en sortir. Mais avec le valet d'épée, vous allez recevoir un message. Il faut passer par là pour vous en sortir, en fait. Il faut passer par ça. Ce que je vais faire, je vais quand même tirer une autre carte. Hein, un peu plus loin, hein, parce que les énergies de cette journée. On a le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, il va il nous donne la sensation de toujours devoir se justifier. Il nous dit aussi de nous méfier. C'est la compétition, c'est la lutte. Alors, c'est la compétition, c'est la lutte. Peut-être, je suis désolée, il faut que j'aille voir. Peut-être par rapport à un amour, à une blessure de cœur. Peut-être y a peut-être quelque chose qui se passe et que vous n'en sortez pas. Vous ne sortez pas de cette histoire de cœur blessé. Peut-être que vous essayez de joindre quelqu'un et vous n'avez pas du tout la réponse que vous avez envie d'avoir. Et vous avez l'impression d'être en lutte. D'être en compétition avec une personne. Peut-être ça aussi. Donc, si c'est peut-être par rapport à l'amour, à une blessure de cœur, attention, peut-être amour ou familial ou quelque chose qui va vraiment vous. Voilà, qui vous aura blessé, je pense. Alors, je ne dis pas qu'on va vous blesser aujourd'hui, mais il va y avoir des répercussions ou ce ne sera pas encore fini aujourd'hui. Ah, voilà, on a tempérance. Tempérance, elle vient bien à point. Non, c'est l'étoile, ça. Ouais, c'est l'étoile. Alors, l'étoile ici, elle va nous donner l'espoir. Elle va nous donner la clairvoyance. Et elle va nous donner la sérénité. Donc, voilà. Il est possible qu'aujourd'hui, justement, peut-être que vous allez arrêter de combattre. Vous allez arrêter de combattre et de lutter aujourd'hui. Vous allez peut-être comprendre, grâce au message tranchant, justement, que ça ne sert à rien. Bonjour, les amis. Voilà. Mon frère, ma mère, mon frère, mon père. C'est ma mère qui est la goulaf, c'est la plus grosse. Tu ne saurais pas y aller, impossible, it's impossible. Tu vois bien, c'est pas possible, non? Donc je voulais te dire que oui, si vous vivez une situation un petit peu malheureuse, vous êtes bloqué, vous n'arrivez plus à avancer, vous n'arrivez plus à bouger, vous êtes vraiment au bord du désespoir. De toute façon, avec le 9, on arrive au bout, d'accord, au bout. Vous allez, décidément, on a beaucoup d'épées, hein, donc je pense qu'il y a beaucoup de mal-être, on va dire, mal-être même psychologique ou réel, j'allais dire une blessure normale, mais non, je pense qu'il y a on vous a blessé de toute façon, vous avez été blessé. Pour ceux, je ne parle pas à tout le monde évidemment, mais enfin, il y a une blessure. Alors c'est peut-être même si vous avez refait votre vie là maintenant, peut-être que vous avez toujours en vous des blessures, cette humiliation peut-être. Et que vous combattez encore, parce que vous n'arrivez pas à avaler la pilule. Hein. Par exemple, si la personne avec qui vous étiez, avec qui vous n'êtes plus, vous êtes bien remarié ou quoi, mais peut-être la personne vous a tellement détruite ou tellement détruit, que
que vous n'arrivez pas à vous en remettre de cette blessure, mais grâce au message que vous allez recevoir, qui va vous parler, on va vous dire d'arrêter de lutter. Vous allez peut-être, on va vous demander de vous justifier. Vous devez vous justifier. Ça pourrait parler de harcèlement, par exemple. Un harcèlement. Et on doit se justifier, et je pense que on va arrêter de lutter et on va retrouver la sérénité. D'accord ? On va retrouver la sérénité, on va retrouver l'espoir. Alors ça parle aussi de clairvoyance, donc on va peut-être voir un peu plus clair par rapport aux événements. Ça peut être, donc peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée où il va y avoir des événements qui vont ressortir du passé. Ou alors, bon, il va arriver un truc du passé qui va faire en sorte que il y a des souvenirs qui vont revenir à vous. Un mot, une phrase, il y a des souvenirs qui vont vraiment remonter à la surface et qui vont encore une fois vous blesser. C'est des trucs que vous aviez bien cachés dans votre mémoire, vous l'aviez bien mis dans un tiroir de votre mémoire, mais ça n'était pas évidemment parti, c'est dans la mémoire, dans le subconscient, et dans le subconscient, c'est bien les épées. Maintenant, ici, on a quand même la sérénité, et donc, je pense que aujourd'hui ou ces jours-ci, il va y avoir... Alors là, c'est la chance. Ah, c'est rien, c'est mon classeur qui vient de tomber. Donc, il va y avoir de la chance. Vraiment, donc ça va s'arranger. Donc si vous êtes dans un état comme ça, où vous ne savez plus où vous en êtes, voilà, je pense par rapport au travail, ouais. Peut-être qu'on vous a blessé au travail, peut-être que vous devez toujours rendre des comptes, vous en avez marre, peut-être que vous faites des cauchemars parce que vous ne voulez plus aller travailler, voilà, ça vous... Vous n'en pouvez plus parce qu'on vous a blessé, hein, une blessure de cœur, mais bon, c'est aussi, c'est quand même une blessure aussi. Et vous en avez marre de toujours vous justifier auprès des autres ou auprès de peut-être plus que les autres. Et peut-être que c'est vous qui allez donner un message, qui allez faire le message tranchant, c'est peut-être vous qui allez le donner. Hein. Vous allez dire, maintenant, j'en ai marre. Et du coup, vous allez vous en sortir. Du coup, ouf, on a dit ce qu'on avait sur le cœur. Du coup, on a la sérénité. Et puis, on a la chance. Donc, si c'est le moment, et bien c'est le moment. Voilà, si vous devez dire quelque chose par rapport à quelque chose qui vous gêne, et bien faites-le, dites-le. Dites-le, envoyez ce message tranchant. Et, oui, il y a des bruits, envoyez-le ce message tranchant et vous verrez que la chance, alors elle arrive à grands pas. Elle est là d'ailleurs. Voilà pour vous, pour cette journée les amis. Alors, il est bien évident, j'ai mal au dos, que ce n'est pas parlant à tout le monde, hein, bien évidemment. C'est un tirage général. Ça ne parle pas à tout le monde. C'est un général. Machin. Pour l'amour, les amis. Pour l'amour, t'as fait ça comme un pied, dis donc. Allez, mec, mon chien sur moi, ce n'est pas évident, hein, dis donc. Bon, je vais mélanger, parce que là... Oscar, tu regardes quoi, là? Va, descends. Tu descends? Je serais mieux, moi, pour faire les cas. Tu descends, mon petit chien? Bon, pour l'amour, les énergies de l'amour pour ce lundi 19 août 2019.
On a le 10 de feu. Bon, ici, on nous dit que vous avez un peu un déséquilibre de la vie. En plus, ça parle de stress aussi. Voilà, je vous lis ce qu'il a été écrit. Hein. Vous êtes submergé de travail, acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Donc voilà, ça peut être tout ça. Moi, je pense que c'est tout ça, en fait. Donc, les soucis de santé liés au stress, c'est pas si. La vie est déséquilibrée, ben là oui, la vie est déséquilibrée, hein, évidemment, voilà. Et puis, il y a un déséquilibre avec ça, il est tombé. Accepter l'aide des autres. Soucis de santé liés au stress. Donc, le 10 de feu, c'est... c'est le 10 de bâton, et le 10 de bâton, c'est... on arrive à la fin, donc on arrive à la fin de porter une charge. Ben voilà, c'est exactement ça. Donc, à mon avis, ça pourrait être en rapport avec les énergies donc, de la journée, qui ne sont pas spécialement des énergies amoureuses, mais ici... vous allez arriver avec le 10. Le 10, c'est toujours la fin des épreuves. Vous allez vraiment arriver à pouvoir porter vos soucis. Parce que vous allez pouvoir poser vos tracas. Et là, vous allez pouvoir poser vos tracas. On l'a bien vu ici, dans le tirage ici. C'est ça. Vous allez enfin trancher pour pouvoir trouver la sérénité. Et puis, on dit accepter l'aide des autres, moi je pense que c'est la chance aussi. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir de l'aide extérieure ou de l'aide de la famille. Nous avons, on a l'empereur, l'archange Michel, qui nous dit « Organisation et logique, structure et discipline, leadership. » Ok. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles. Donc, le 6 de feu, 6 de bâton. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc ici, je vous montre la carte. Et avec la carte ici, ça nous parle de force, de pouvoir, d'une personne comme si c'était votre papa, une personne qui comme si c'était un bon papa, une personne sur qui vous pourrez compter. Ça peut être donc ici pour votre couple, pour l'âme, pour les amours aujourd'hui. Victoire. Ben voilà, Victoire, on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Ouais, on va vous annoncer de bonnes nouvelles. Et puis, alors peut-être que c'est tout simplement, on va vous annoncer de bonnes nouvelles par rapport à un divorce ou par rapport à n'importe quoi d'autre, mais en tout cas ce sera quelque chose qui va être remis en place par rapport à votre amour. Donc il y a vraiment des choses qui vont être mises en place et qui vont vraiment ça va être tout bon pour vous. Ouais, ça va être tout bon pour vous, donc vous allez pouvoir avancer en amour. Si vous n'avez personne, si vous n'avez personne, peut-être qu'on vous demande tout simplement de structurer un peu plus votre vie, de la structurer, d'être plus discipliné. Si vous êtes seul, ça peut aussi parler, parce que ça peut aussi me dire parce que vous êtes un peu triste et que vous devez d'abord
régler certaines choses et enlever cette tristesse, comme ici. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faudrait aussi pardonner. Hein. Pardonner. Ou se pardonner. Ouais, j'ai encore le 10 de feu, donc qui est sorti tout à l'heure. Accepter l'aide des autres, etc. Le 6 de feu, donc là, ce sont les bâtons. Mince, le 3 d'air ici, c'est le 3 d'épée comme on a ici. On a deux fois les blessures de cœur ici. Ouh. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, y a une blessure de cœur où vous êtes en plein dedans. C'est marrant parce que là j'ai le page d'air. Et là, j'ai le page d'air. Donc, c'est quand même un peu fort, quand même, on a les mêmes cartes. On a l'équilibre, besoin d'équilibre, de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Ok, donc ici, attendez le bon moment. Donc, surtout si vous avez une blessure de cœur, il est possible que ce soit demain que vous ayez une blessure de cœur, j'espère que non. Je préférerais que vous l'ayez déjà eu et que là, c'est en train de se réorganiser. Donc, on vous demande peut-être de réorganiser votre vie par rapport à ça. Ne baissez pas les bras. Il y a quand même toujours des... Il faut attendre le bon moment et vous allez retrouver votre équilibre. Et vous devez quand même pardonner. Elle est tellement grosse qu'elle ne s'est pas sautée, en fait. Voilà. Voilà, 6 de feu. Donc, on va vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance, public ou récompense. Donc, il va y avoir ici, ça peut être justement pour les cœurs un peu perdus, quels qu'ils soient. Il y a des changements qui sont en train d'arriver, d'accord ? Et il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver. Et peut-être vous allez avoir une récompense. Récompense, c'est tout simplement aussi le fait de recevoir de l'univers quelque chose. Parce que, ça faisait peut-être des années que vous viviez comme ça. Et puis du coup, là, non, maintenant c'est terminé. Il va se passer un truc. Et puis non, c'est terminé maintenant. Voilà, j'ai une opportunité, donc une bonne nouvelle. Une opportunité qui s'offre à moi. Et si je la saisis, tant mieux. Et si je ne la saisis pas, elle ne reviendra jamais plus. Qu'est-ce que je fais? Et vous allez dire, je la saisis. Ouais, parce que là, alors vous irez vers la joie et l'abondance. Voilà, et on parle de récompense ici. Et on parle de récompense ici. Et là, le roi de feu. Concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. Ok, le roi de feu, c'est le roi de bâton. Donc, le roi de bâton, c'est aussi la passion. La passion. Ben ici, la motivation, l'idéal, l'ambition, le charisme. Voilà. Donc, je pense qu'après la pluie, vient le beau temps et que... Et que le cœur qui est blessé, il y aura un cœur blessé ici, hein, parce qu'il est dans les sorties dans les deux fois. C'est un peu normal, hein, si les énergies sont là. Quand on prend un tarot et un tarot, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dû prendre deux tarots, mais ça c'était pour l'amour. Ça c'est un tarot, mais c'est un tarot quand même, donc c'est normal qu'on ressorte les mêmes cartes. Que ce sont les énergies. Ça nous dit la même chose finalement. Du coup, on va prendre une petite assistance, Angel Assistance de Michel Ange. Donc, je vous invite à aller voir sa boutique Etsy. Allez sur Etsy. Tapez Michel Ange. Et vous allez voir de quelle vente des petits jeux comme ça. Par exemple. Angel Assistance, donc si vous avez besoin d'un petit coup de main, SOS,
SOS, mon ange gardien. Et bien, on va voir ce que ça va nous dire pour cette journée, les amis. C'est fait. Pourquoi tu es venu près de moi ? Mince ! Désolée. On va prendre ces deux-là qui étaient tombés, d'accord? Voilà. Tout ira bien. Tout ira bien. C'est déjà rassurant. Et c'est ton ange gardien qui te le dit. Tout ira bien. Et ça, c'est possible aussi, oui. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live est top. Voilà. Ben voilà, les amis. Je pense que c'est la pluie après le beau temps, le soleil qui est en train de revenir tout doucement. Je pense qu'il y a certains d'entre vous, alors ça ne parle pas à tout le monde, tant mieux, heureusement. Il y a certains d'entre vous qui vont, ou alors il y a quelque chose qui va ressortir aujourd'hui, qui va vous rappeler certaines choses. Mais sinon, si vous êtes toujours en train de lutter, peut-être pour retrouver un amour ou pour retrouver une personne voilà, qui vous a quitté, par exemple, ou qui vous a fait du mal ou qui vous a blessé. De toute façon, ça peut être une blessure de cœur, ça peut être une blessure amoureuse, mais ça peut être aussi une maman qui a abandonné ses enfants, voilà, des trucs comme ça. Arrêtez de combattre, laissez faire les choses, et les choses se feront pour le mieux pour vous. Voilà. Donc, tout ira bien et amusez-vous. Ça sent très mauvais ici. Ça pue. Pouh. Bon, ben, mes amis, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Laissez-moi un petit commentaire. Ça pourrait aussi vous avertir de quelque chose, peut-être par rapport à une personne très proche. Donc, peut-être vous avertir aussi que si ça ne vous parle pas, si ça ne vous parle pas, c'est normal, c'est un tirage général. Moi, j'ai tiré les cartes, je ne peux pas inventer, hein, ni sûrement recommencer mon tirage. Je pourrais effacer et recommencer, mais on ne peut pas faire ça. Pas bien. Donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain peut-être pour une autre vidéo. Je mets ma souris sur le point qu'il doit éteindre. Et bisous.